just assumed I'd play the part of keeping you in the right direction. No matter how your confidence may fall, I'll be here as your foundation. And I say, hey, yo, just let it go. Your struggles won't remain. And I say, hey, yo, we're holding hope and wake up yesterday. So hold on to me. Hold on to me. Hold on. Hold on.
yo 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 yo. La forme ou quoi? La forme ou quoi les gars? Hop là. Bon, ça va être assez chill les gars ce soir en vrai hein. Ça va être assez chill. Je sais pas si le Bahamas il est ouvert. On va pour essayer de postuler. Bon les gars, on s'est fait un petit peu de... On s'est fait un peu de thunes en vrai aujourd'hui. Je vais pas mytho. Merde, attendez. Qu'est-ce qu'il lit le grand fou? Là je sais pas, je suis en train de bosser donc je sais pas trop. Tu bosses où? Let's go, il y a des mecs qui sont en train de se faire... ouais. Ils sont en train de se battre. Oui, allô, bonsoir. Oui, je vous écoute. Oui, c'est... Je suis l'agent de sécurité du Bahama hier. Ouais. C'est pour vous dire que là, on va faire des entretiens pour des recrutements. Donc si vous et votre ami, vous voulez passer. Alors mon ami, je crois pas qu'elle soit là ce soir, parce que... j'ai essayé de la voir, mais... Oui, mais... J'ai oublié ma voix. Au moins, vous... on va faire des j'ai oublié ma voix. Et après, on verra. Merde. Attendez. Ok, bah y'a pas de soucis alors. Très bien, bah on vous attend. A tout de suite. Sur place. A tout de suite. Merde, j'ai oublié ma voix. Ça c'est l'habitude avec Aaron. C'est l'habitude avec Aaron, j'ai oublié ma voix. Oh le trou de balle que je suis. Le trou de balle que je suis. Je suis un gros trou de balle. Ah bah rip Marie hein, Marie elle est en train de pioncer là. Elle est en train de pioncer.
Bah, rip sa vie, hein. Non, en vrai, je pense qu'elle doit être avec son... Elle doit être avec son copain, à mon avis. Parce que même sur Snap, elle m'a pas répondu. Même sur Snap, elle m'a pas répondu, donc elle doit être... On va faire la soirée off. Wesh. Bah, Marie rip sa vie, hein. Putain, voiture Jackie Tuning. Ah, carrément de la musique là, yo. Ah, ça a carrément pris avant, yo. Ah, carrément pas gagné. Ah, ah, non, c'est surtout que je vous ai pas entendu. Ah, yo yo yo. Ah, yo 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 yo. Comment allez-vous? Yo yo, ah, yo 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 yo, ça va, mon beau. Bah, on attend pour les recrutements. Hein, ah, ah, Dieu, ah, aïe, 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 aïe. Hop, messieurs, dames, pour les recrutements, n'hésitez pas. Yo yo yo. C'est pourquoi madame, bonsoir. C'est pour faire danseuse. Non, pour faire livraison, barman, tout ça. Ah, ça m'intéresse. Ça m'intéresse pas. Allez, bonne soirée, messieurs dames. Moi c'est un déancé, moi. Vas-y, suivez-moi. C'est trop, ils se ressemblent tous, on dirait. Mesdames et messieurs. Dario, je te laisse mener l'entretien au minima, au début. Et puis je reste juste là, j'écoute, hein, mais je finis mes comptes. Pas de soucis. Ok. Bonsoir monsieur. Et bonsoir. Eh bien le Dario, bonsoir. Dario, enchanté. Enchanté, bah Mike Johnson. Mike Johnson, très bien. Donc j'imagine que vous cherchez du travail, c'est ça si je comprends bien? Exactement. Quelles sont vos compétences monsieur? Mes compétences, il y a ça déjà quelques temps. J'étais à l'époque à la gérance du Bahamas. Pas ici, dans une autre ville. Ok. Dans le contact avec le client, ça vous fait pas peur? Non, du tout. Très bien. Du tout, à l'époque, j'avais fait DJ, j'avais fait aussi barman. Ok, parfait. Donc, barman, je m'y connais un petit peu. Ou les livraisons, pareil, j'en faisais pas mal, la journée. Okay. Donc, en fait, faire... Vous connaissez à peu près toutes les ficelles, quoi. Exactement. Parfait. Donc, en fait, il y a juste à vous faire signer, quoi. Il y en a rien à vous apprendre, vous êtes tous parfaits. C'est ça? Ah, je dis pas parfait non plus, hein, loin de là. Comme je dis souvent, on est pas tous parfaits. On a tous nos qualités et nos défauts. Ouais, sauf lui, vous apprendrez vite que lui, il est parfait. Oh oui. Ah, okay. Mais bon, après, toujours rester professionnel, quoi. Donc, s'il y a un client qui vient faire chier, on va parler calmement et poliment avec lui, quoi. Parce que c'est pas le but non plus de rentrer dedans, quoi. Du respect envers les clients. C'est ça. Très bien. Ferme mais courtois. Exactement. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Bon, ce qu'on va faire, c'est que Electra, Achille et Silas vont s'asseoir et je vais voir comment vous procédez un peu. On va faire comme si c'était des clients lambda qui étaient là dans le Bahama, ok?
Ouais, y'a pas de soucis. Allez. Si jamais pour la carte, vous avez du rhum, du, de la vodka, du whisky, mais des cocktails. Et voilà. Tout simplement, je leur demander ce qu'ils veulent. J'observe et je ferai un retour. Je vais vous regarder faire. Ok, très bien. Par du monde, mais je pense que je devrais pouvoir juger. Même si, bon. Ouais, y'a pas de soucis. Ne vous inquiétez pas, je suis pas le seul à juger. De toute façon, j'ai confiance. Ça me l'aurait que. Y'a pas de soucis. Oui. Oh, excusez-moi, je m'appelle. Allez-y. Et bonsoir. Messieurs, dames, enfin, messieurs, plutôt bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que je peux vous servir? Qu'est-ce que vous allez nous proposer? Alors, j'ai du rhum, vodka, whisky ou un petit cocktail proposé par le Bahamas. Ah, c'est quoi le cocktail proposé par le Bahamas? On a de tout, alcool et... J'ai pas donné le nom exact du cocktail, ah, Silas. Ouais. Pour ça, je dis alcool et sans alcool, donc. Ouais, vous avez un alcool phare. Un Jagger, ouais. Ici. Eh bah, ben, j'ai un cocktail avec un Jagger. Eh ben, je vais prendre ça. Et pour moi, ça un sera un whisky, s'il vous plaît. Et un whisky, ce sera tout? Ça sera tout. Ok, mais je vais vous chercher ça. Ok, parfait. Parfait. Moi, pour moi, moi, je sais pas ce que tu en penses, Silas, mais le monsieur a un contact avec la clientèle qui est plutôt pas mal, non? Oh oui. Okay. Et puis il est à l'aise. À l'aise, ouais. Il bégaye pas, il est très à l'aise. Ouais, ça se voit tout de suite. C'est pas la première fois que vous faites ça. Non, du tout. Bah après, comme je vous dis, j'ai déjà travaillé au Bahamas, puis j'avais fait quelques boîtes de nuit aussi à l'époque, donc. Vous étiez même en gérance, vous m'avez dit. C'est ça. Ok. Ouais. Gérance, mais. Comment vous dire que j'ai dû partir entre guillemets, enfin je vais pas dire partir de force, mais quand vous savez, quand on reprend une entreprise et qu'on remonte la pente de cette entreprise pendant 3 mois parce qu'il y a une réputation de merde et que l'ancien patron revient en ville et va faire un attentat au gouvernement, il se revendique Bahamas. Ah ouais, d'accord. Bah comment vous dire que tout ce que vous avez fait pendant 3 mois, ça tombe à l'eau en un claquement de doigts. Des efforts fournis pour rien. C'est ça, donc sur un coup de tête, okay. Ça m'a énervé, j'étais parti. Ok, parfait. Ok. Alors, ça s'est passé comment? Le monsieur a une très bonne approche. Il est très très à l'aise. D'ailleurs, vous voulez pas un cocktail? Un Jagger, alors, un cocktail moi, sans alcool? J'aimerais avoir une danse privée. Alors du coup, je veux rester barman. Mais sinon, oui, on fait des danses. Non, fait des danses. Il y a des formules si un client vous demande. Ah, Electra va vous expliquer ça de façon très bien, puisqu'elle est concernée. Ouais, parce que ce que j'allais dire, parce que hier j'ai vu ça, mais vous n'avez pas de danse privée. Si. Alors, ah, si. Okay. Justement, il y a des formules. Il faut savoir que il faut demander aux danseuses. J'ai dit hier, c'était sur le live, gros chat à toi, j'ai été recruté au barman. Si elles sont consentantes à faire des danses privées pour des clients. Sinon, on vient me voir. Alors, il y a les danses privées dans les box à l'arrière que tu peux voir là-bas. Ça, c'est 100$ les 15 minutes. 1000. J'ai dit quoi? 100. 1000, autant pour c'est moi. C'est 1000. 1000, oui, j'ai oublié un zéro. 1000$ les 15 minutes. Ensuite, il y a une autre formule, c'est dans les... jacuzzi. Après, ça demande, ça dépend, pardon, ce que demandent les clients. Si c'est au jacuzzi, si c'est tout ça, mais danse privée, c'est 1000$. Sinon, si tu vois un client qui prend une absinthe, il faut bien lui dire que il a la possibilité de mettre une fessée à la danseuse qu'il veut. Une absinthe, c'est-à-dire S'il achète une absinthe, la boisson. D'accord, ok. Une petite claque sur le cul, il a le droit, tout simplement, tout pour parler pas poliment. Disons que c'est une façon de faire vendre de l'absinthe qui est un alcool assez cher. Mm-hmm. Ça D'accord. stimule la clientèle. C'est ça. Et on va pas se mentir que Electra adore se faire claquer le cul. C'est quelque chose que j'apprécie fortement, oui. Ok. Voilà. Aussi simple que ça. Donc, si je crois que j'ai rien oublié. Carré VIP, je sais plus combien on avait fait payer. C'était un truc, mais il faudra voir avec mère exactement le tarif, mais c'était un truc entre 3 et 5 000, il me semble. Il me semble que c'était 3 000 la demi-heure, ou l'heure, je sais plus. Ouais, c'est un truc dans le genre. D'accord, ok. Donc on va aller faire un retour vers Madame Seneca, lui dire ce qu'on en a pensé. Je vous laisse me suivre, Mike, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, parfait, suivez-moi. Et toi, il arrive le deuxième ou pas? Il est là, il attend, il est patient. Parfait. Ça va bien, toi, Lyon?
Attention, Yo, tu parles fort. On va devoir en voir un deuxième, Dario, et ensuite, voilà. Oui. Écoutez, on a vu toutes les petites formalités avec Mike, ici présent. Très à l'aise. D'accord. Très très à l'aise. Il connaît déjà apparemment les filons des livraisons, il est très à l'aise avec la clientèle. Vous êtes prêt à bosser au niveau des livraisons parce qu'on vient de perdre deux employés, donc on va être très demandeur sur les livraisons. Eh bah justement, cet après-midi j'étais là, j'ai fait que ça, donc y a pas de souci là-dessus. D'accord. C'est quoi votre nom s'il vous plaît? Johnson, Mike Johnson. D'accord. Vous faites quoi à part ça dans la vie? Vous avez des passions, des occupations, des hobbies? Pas spécialement, mis à part la musique, puis passionné de voiture aussi. Vous n'êtes pas un voyou? Non, du tout. Du tout. Bah écoutez, du tout. Si, je vole pas du tout les portefeuilles des gens. Je pense qu'on peut y aller. Moi je suis pour, il m'a semblé très à l'aise, c'est très parti. Court toi. Après là, on en a un deuxième à voir. Là. Ouais, non, mais tant mieux, mais parce je crois que c'est pas barman. En fait, on a perdu deux salariés, donc voilà. Alors, monsieur, Riley n'est plus là. Ouais. Ah. Et Trigger ne va plus être présente, donc elle m'a dit que je pouvais la virer pour l'instant. D'accord. Parce que normalement, j'avais une amie aussi qui devait venir, ce soir pour un recrutement. Enfin, votre carte d'identité, s'il vous plaît. Oui. Parce qu'elle devait se faire. Elle devait se faire. Ah, mais j'ai même pas de carte d'identité. Ah, bah si, je suis bête. j'ai pas l'habitude. Vous pouvez vous occuper du prochain recrutement, monsieur dame. Allez. Voilà. Allez. Silas, je te laisse le gérer cette fois. Oh bah, parce que j'ai une amie qui devait venir aussi pour faire un recrutement pour être danseuse, mais ce soir elle est pas là, malheureusement. Okay. Ça marche. Alors, recruter, voilà. Ensuite, je vais vous passer les clés. Alors, attendez. Donc, les clés. Rip ta liche, hein, t'avais qu'à être là. Hein. S'il y a plus de place au Bahamas, c'est 32, ton problème. 51, t'avais qu'à être là. J'ai beaucoup trop de clés si vous saviez, c'est un enfer. Voilà, Pounder. J'imagine bien. Prêtez les clés, ok. Donc 69, c'est bon. Ensuite. 82. Le speedo, c'est bon. Et ensuite. Ça, c'est bien ce système de clés. En fait, chacun a son camion, ça, c'est bien ça. U50, c'est bon. Et il m'en manque un qui est le techniquement. Celui-là, faut qu'on aille voir. De toute façon, je vais vous expliquer. Allez, suivez-moi. Alors, première chose, les vestiaires là-bas, tout ce qui est là-bas, bien rester fermé, d'accord ? D'accord. C'est notre espace personnel. Quand je suis là-bas en rendez-vous, ne pas déranger, ok ? Ouais, y a pas de souci. Ça marche très bien. Le bar, de toute façon, vous avez le coffre et tout ce qu'il vous faut ici. Il y a une arme à l'intérieur. Ouais. Si quelqu'un fait la sécurité et n'a pas son arme sur soi, c'est une arme qui reste ici. Elle ne doit absolument pas disparaître. Ce qui est normal. Hop. Voilà. Hop. Ouais. Ensuite, quand vous faites les livraisons, vous mettez la tenue que vous voulez. Quand vous êtes serveur, il faut un minimum de classe. Vous avez le vestiaire qui est juste ici. D'accord ? Ok, il n'y a pas de souci. Après, tenue pour le bar, on peut se faire une tenue classe personnelle ou il y a vraiment un code couleur ? Ok, ok. En fait, le but, c'est que vous soyez présentable, avenant et beau, d'accord ? Et venez avec moi. Et du coup, vous pouvez mettre les tenues que vous voulez du moment, voilà. De toute façon, ce que vous allez faire, c'est que là, vous allez être livreur. Et si vous voulez faire barman, plus vous allez venir, plus vous allez venir de vous-même être barman, etc. Sachant qu'il ne faut pas qu'on ouvre tous les jours non plus. Plus on vous fera confiance et plus on vous montrera en grade, d'accord ? Vu que vous avez déjà de l'expérience, vous pourrez faire barman de temps en temps, mais on va d'abord partir sur une semaine majoritairement livraison, d'accord ? Ouais, y'a pas de soucis. Bah après, là, par exemple, si cette semaine, admettons, le Bahamas il est ouvert, mais qu'il y a plein de clients, mais très peu de barman, pas de soucis, je peux donner un coup de main. D'accord, c'est parfait. Tac, tac, tac. Les prix me manquent deux. Bonjour. Bonsoir. Oh, il fait peur. Je peux venir ou pas trop? Oui, tu peux. Ok. Alors du coup c'est ici l'espace, on va dire, livraison, véhicule, etc. Alors surtout toujours respecter comment c'est rangé, parce que sinon nos camions se font voler de manière récurrente. Donc en premier vous partez avec celui-là à droite, ok, le gros Pounder. D'accord. En priorité, on va dire. Et ensuite, vous prenez celui qui est à gauche, et après, si c'est le dernier, bah celui qui est à droite. On va dire qu'il y a des petites priorités.
Il faut juste que je chope la plaque de un des deux là. Ah, c'est tout bon. Donc du coup, la clé. Paf. C'est la 28 prêtée. Voilà, donc là vous avez les clés de tous les véhicules. Il y a 3 Pounders et un Speedo. Ça marche ? C'est des okay. Pounders 500 places. Vous pouvez optimiser vos livraisons en ne gardant que très peu à manger sur vous pour faire 90 marchandises sur vous. Donc ça fait en général 590 marchandises par livraison. Ok. Okay, donc vous okay, allez au point de marchandises sud-est et vous allez au marché par la suite. Okay. Est-ce que vous connaissez le principe ou pas du tout ? Oui, y a pas de souci là-dessus. Vous allez dans la zone marchandise et après vous vendez au marché et voilà. Donc vous récupérez 1 dollar par marchandise, l'entreprise en récupère 2. Ok. Voilà, pour ne rien vous cacher. Sinon c'est le même système dans absolument toutes les entreprises là-dessus. Faites un petit test de clé sur celui-là. Ok, bah c'est bon. Eh bah écoutez, c'est parfait, nickel. Donc en général, si vous avez des questions... Ah oui, il faut que je vous invite à l'intranet et tout ça. Bon, on va faire ça à l'intérieur. Est-ce que je vais avoir assez... Normalement, oui. Est-ce que j'ai filtré Il faut que je vous parle 2 secondes après. Ouais, ça marche. Bah, je vais laisser monsieur rentrer. Allez-y, allez jusqu'au bas, moi j'arrive. Pourquoi je suis pas étonné? Pourquoi je suis pas étonné de Beldrex bizarrement? Je suis clairement pas étonné de lui. Il me reste en vrai. 122, ça va. Ah bah. Comme, il fait mi. Il fait mi. Je crois que, ouais, je crois que Chi, elle n'est vraiment pas là ce soir. Vous pouvez pas ouvrir ? Ah oui, c'est vrai. Allez-y, vous pouvez tester. Voilà, parfait. Je pensais toujours en fermer quand on n'est pas ouvert derrière vous, ok ? Enfin, je me fais. Ouais. C'est vrai. Putain, je. Eh, hey, j'ai plus les habitudes. J'ai plus l'habitude. Une adresse mail, du coup. Ouais. Alors, c'est. Alors, c'est une mail. C'est un mail un peu pour tout. Mon mail, c'est Mike Johnson. Or base discordls.com. Oui, j'ai inventé. Inventé. Voilà. Voilà, je vous ai tout envoyé du coup. Modifier. Ah ouais, merde, je suis en live donc je peux pas me. C'est bien reçu. Alors, sur la comptabilité, je vais modifier un truc. Alors. Donc, est-ce que vous êtes bien sur la comptabilité ? Vous me dites quand vous y êtes, si possible. Sinon, on verra ça plus tard. Je suis dessus. Ok, parfait. Donc vous voyez, là, je vous ai créé un espace en bas, en noir. Attendez, faut que je change le nom. Voilà, en noir, il y a Mike. Vous voyez ? Ok, ouais. Voilà, donc ça, c'est votre espace à vous. Du coup, vous notez les marchandises que vous vendez en haut, d'accord ? Dans ce qu'on appelle la vente au marché. Donc vous marquez, par exemple, je vais le faire devant vous. Donc un run, 590, d'accord ?
D'accord, ouais. Donc là, vous voyez que ça vous fait une prime de 236, donc ça c'est un run. Et après, vous pouvez mettre aussi vos frais d'essence et tout sera calculé automatiquement. Okay, vous, d'accord. Vous avez juste ça à remplir. Après, quand vous faites barman, bah, tout ce que vous vendez, vous le notez. Un whisky, un tequila, enfin une tequila, un rhum, et vous accumulez toute la semaine, ça vous fera une prime supplémentaire. Vous avez une petite calculatrice dans Tarifs Citoyens, où là vous pouvez faire une calculatrice, si vous avez une grosse commande, par exemple 5 whisky, 2 rhum, machin, absinthe, tout ça, et bah vous avez tout, et c'est une petite calculette qui est dispo, je vous fais un exemple en direct. Ah oui, d'accord, ok. Voilà, et ça vous fait le total de la facture à faire. D'accord, ok. Donc là, 1105$ pour l'exemple. Voilà, par exemple. Donc du coup, vous avez juste marchandises à remplir, frais d'essence et les ventes au bar. D'accord, ok. C'est tout ce que vous avez à faire sur la comptabilité, tout le reste est en automatique. Les primes, c'est en général le dimanche. Donc je mets un message sur l'appli Job, consultez de temps en temps l'appli Job. Ne surtout pas retirer les macarons lus de l'appli Job, c'est-à-dire qu'il n'y a que moi qui peux les retirer, pour que je ne loupe aucun message. Ok ? Ah oui, la petite, avez, voilà. La petite notification, c'est le 1. La GV, c'est par exemple pour les primes. Ok. Okay. Donc ça, je n'y touche pas. Voilà, c'est ça. Okay. À moins que ce soit un truc vraiment où vous pouvez répondre du style, je sais pas, il y a un camion a été retrouvé au milieu de la route, est-ce que vous pouvez venir chercher, vous pouvez prendre l'initiative, voilà. Et si par exemple, je regarde par mes gardes, est-ce que je peux remettre en non-lu ou pas du tout? Non, vous ne pouvez pas justement. Mais après, vous pouvez regarder, mais vous pouvez, c'est dans le statut en haut à droite. Vous pouvez cliquer sur le vert pour qu'il devienne rouge, mais vous ne pouvez pas. C'est une action irrémédiable. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas le remettre en vert. Donc là, si je clique par exemple sur la cloche. Ah oui, d'accord, ok. Voilà. Donc là, celui pour la prime, je le laisse parce qu'il me manque de 3 salariés. Parce que sinon, si, disons, ils rallument leur appli un peu trop tard, bah du coup, eux verront jamais le message. D'accord, donc là par exemple, moi le message que j'ai mis tout à l'heure il y a 25 minutes. Voilà, c'est juste à. Ah oui, il y a que vous qui pouvez le faire et nous. Non, il n'y a pas que moi, mais justement, il faut que les gens le laissent pour que moi je dise quand on peut l'enlever parce que sinon je loupe des messages quand ça demande à parler au responsable ou quoi que ce soit. D'accord, et donc là pour l'exemple, j'ai juste à cliquer par exemple sur le petit bouton rouge et le passer en vert. Tout à fait. Ok, bon bah ok, très bien, moi je le saurai. Par exemple, pour les primes, faut le laisser parce que j'ai encore une salariée qui est pas venue chercher sa prime. Ok. Bah, après, de toute façon, à la limite, ça je vais pas y toucher parce que comme je connais pas encore très très bien le téléphone, je préfère ne pas toucher. Sur l'intranet, vous avez rien de particulier à faire, je mets juste des annonces ou des petites choses, vous pouvez mettre des idées, vous pouvez tout faire, d'accord? D'accord, très bien. Donc, pour le moment, vous êtes livreur et après, on pourra évoluer sur barman, etc. Tout ça au fur et à mesure. D'accord, très bien. Eh bien, écoutez, si vous n'avez pas plus de questions, c'est tout pour moi. C'est tout bon. Ok, bah, pour moi, c'est tout bon aussi. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une excellente soirée. Bienvenue au bar, ma maman. Et puis, j'espère que vous porterez et que vous présenterez fièrement les couleurs de l'établissement. Voilà. Bien, pas de soucis. Ah oui, je dois aussi vous dire qu'il faut absolument que vous passiez une visite médicale. Ouais. D'accord, et après, à la suite, moi, je vous ferai un contrat de travail, du coup. Ok, y a pas de soucis, moi je pense que je ferai ça dans la semaine. Attendez, par contre, faut juste que je note votre numéro. Hop. Je vais vous passer un coup de fil, mais c'est juste pour le renoter derrière. Y a pas de soucis. Voilà, comme ça vous pouvez noter avant. Et voilà, c'est tout bon pour moi. À l'accueil. C'est bon pour vous, Mike ? C'est tout bon. Super. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une excellente soirée. Je vais passer à l'autre recrutement, du coup. Merci. N'oubliez pas de fermer derrière vous, ok ? Il n'y a pas de souci. Allez, bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Alors, c'est bien ça. Et ben voilà. Et ben voilà. Et une chose de faite. C'était rapide, c'était simple et efficace. Merde. Attendez. Putain, 120 $.
Tac. Est-ce que vous êtes un voyou ou non du tout? Du tout, je ne suis pas du tout un voyou. Bon, par contre, je racate les PNJ, je vole les portefeuilles. Je vole les portefeuilles parce que c'est la S, t'as capté? En vrai, y'a pas... Bahamas, il est pas ouvert, donc je peux pas aller... Je peux pas aller récupérer des boissons. Pétain, t'as pas de chance, toi. Hop. Hop. Combien que j'ai en argent là? 122. Il m'énerve. Je le connais que depuis hier, mais il m'énerve déjà. Salut en pot. GPS. Quoi? Quoi? Sérieusement? GPS pour animaux? Ok. Ok. Mais j'ai sur moi 550. Je sais pas ce qu'il y a d'ouvert en vrai. Stock market, c'est quoi ça? Portefeuille. Je pense que c'est le truc de crypto. Je connais pas. Tinder. On n'a rien. Instagram. Ok. Je change la sonnerie parce que je la vois venir déjà la sonnerie. Qu'est-ce qu'il y a d'ouvert? Bonsoir. Seriez-vous ouvert pour récupérer des poissons? On va aller au 4 cafés.
Oui, allô. Allô, allô. Oui. Ah, c'est bon, je vous entends. Oui, bonsoir. C'est le Burger Shot et oui, du coup, nous sommes ouverts. D'accord. Et eh ben, je vais passer récupérer. Moi, je pense récupérer 5 sodas. Il y a pas de souci. Bah, on vous attend. Très bien. Bah, je vous remercie. À tout de suite. À tout de suite. Hop. Bouteille d'eau, ça remet pas grand chose hein, en vrai. Hein. Putain. Puis j'en profite, je vais faire une tenue juste après. Faut vraiment que Chia se fasse recruter aux Bahamas. Si elle peut faire danseuse là-bas. Oui. Wesh, y'a du monde. On peut acheter machin. Putain, y'a le diner qui est ouvert en plus. Messieurs, dames, bonsoir. 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 J'aime bien ce mapping. Eh bien, le bonsoir. Qu'est-ce qu'il vous faut? Je vais vous prendre 5 sodas, s'il vous plaît. 5 sodas, allez. Ouais. Vous voulez autre chose? Ce sera tout. Ce sera tout, allez. Ouais, ce mapping il est pas dégueu. En plus, ils ont des bureaux derrière. Par contre, attendez, la musique elle bouge un peu trop là. $75, monsieur. $75, vous m'avez dit? Ouais, c'est ça. Ouais, vous pouvez m'en remettre 5 de plus alors. Ok, je vous cherche ça. Pas cher. Comme ça au moins j'ai des sodas à l'avance. Ah, parce que les bouteilles d'eau c'est bien mais... ça nourrit pas beaucoup. Bah j'ai toujours aussi soif donc... c'est compliqué. Bon, après d'un côté c'est pas plus mal, ça fait vivre les entreprises. Et voici. Et voici, monsieur. Merci bien. Passez une bonne soirée. Merci vous aussi. Merci bien. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Parfois là. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Bonne soirée. Oh, j'avais envie de sortir une vanne, j'allais dire. Vous faites très bien, super héros. Est-ce que j'irai pas faire un peu de livraison? En vrai de vrai. Parce que là, ça va être calme ce soir. Mais non, à mon avis, ce soir, il est en patrouille. À mon avis, il va être en patrouille. Heureusement que j'ai pas sorti devant Ben que je volais des portefeuilles. Heureusement. Non, non. Super. Crash vêtements. Vêtements qui m'a fait crash.
Mais heureusement que je l'ai pas sorti, que je volais les portefeuilles. Parce que la vérité... la vérité, il serait arrivé, il m'aurait dit « Bah non, mec, alors comme ça, tu voles les portefeuilles. C'est vrai, il y a le permis. Elle est où ma voiture? Où est ma voiture? Wesh. Un véhicule sont affichés sur la carte. Il est où? Bah, elle est où ma voiture? Elle a fini dans un mur ou quoi? Wesh, ça me dit qu'il y a une voiture, que ma voiture elle est là, mais elle est pas là. Bah. The fuck. Toi, j'entends bien. Wesh. Je peux pas utiliser ça. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Elle est où ma voiture? Putain, ça me dit que la voiture elle est là, mais. Là, c'est de l'argent en banque. Oh putain! J'ai 162$. Combien que j'ai sur moi? 340.
Déposer. Hop. Je me demande de me livrer le véhicule, hein. On va faire un truc. Alors franchement, moi, tiens, je sais pas où il est passé, hein. Il est où lui le GPS? Putain, il me dit là. Il me dit là, sauf qu'elle est pas là. Wesh, mais elle est où? Attendez. Putain, mais j'entends bien une voiture, mais je la trouve pas. C'est moi qui suis barre à chaud ou quoi? C'est moi qui suis barre à chaud ou... Wesh. What the fuck? Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Puis elle irait à la fourrière, tant pis. Pourquoi je peux pas livrer Je demandais si je peux commencer à faire des livraisons, ouais. Bon bah allez, let's go. On tue et dès qu'un point d'or est dispo. Ok, bon bah je vais aller faire ça.
On va aller se faire un petit run en vrai. On va aller se faire ça. Et alors, collecter marchandises. C'est là-bas qu'il faut ouvrir. Il n'y a rien de quoi, il n'y a rien d'indiqué encore sur Discord, donc. Ça, hein. Quoi ? Tiens. Bon, moi ça va être assez calme ce soir, je pense. Ça va être assez calme ce soir. Suivant 10116. Donc ok, donc c'est bien ça. Tu vas en 10116 au sud et au sud de la ville au niveau du port. Ensuite tu vends la marchandise au marché en centre-ville. Ok, parfait. Toujours bien de prévenir. C'est toujours intéressant de prévenir.
En tout cas, l'objectif de la soirée, c'est fait. Hein. Ah oui, il y a du monde. Ah oui. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Il y a assez de monde. Il y a pas mal de monde. Hop. Je sais même pas si je l'ai comptabilisé mon... mettre là. Du coup, il nous saute notre prime ou pas? Hein, Dash? Il nous saute notre prime ou pas? Bah ouais, ils m'ont dit du coup, c'est pas la semaine là, c'est la semaine prochaine. Ok. Bah du coup, on travaille moins. Que comme c'est que. On travaille moins comme c'est que Jimmy, donc on fait notre Jimmy, puis après, c'est au moins, on arrête. Ok. Après, sinon, je lui dis la prime là, il peut la prendre comme il en galère. Hein. Je lui dis ma prime que là, je la prends et je m'en fous. Ah bah ouais. Que, non, mais vrai, faut être donnant-donnant, tu vois. Ouais, ouais, mais pour qu'est-ce que je fais là, tu vois, je m'en fous. Tac. Hop. On peut mettre 500. Ok. Tu m'as dit quoi? Ouais, toi c'est pour ta bifolum, moi je m'en fous, c'est une petite voiture à faire et puis me faire 2-3 tatouages. Ouais, mais je vais lui dire à Jaden, non. Moi je m'en fous. Hein. Merde, c'est pour moi. Ouais, bah les gars, en vrai. Là, y a pas grand chose à faire, y a pas. Ça va être assez calme le soir.
ça va être assez calme. Oh, allô. Ok. Où la sortie? La sortie. Je vous informe qu'à la sortie, là, il y a des flics qui se sont postés, je crois. On m'a dit ça. Comme d'hab, oui. On m'a dit ça. Contrôle de routine, des choses comme ça, quoi, tranquille. Bon, contrôle de routine. Bon, bah, moi, je vais vous laisser. Bonne soirée. Bonne soirée à toi. Bonne soirée ou à tout à l'heure, je vais voir. Ouais, ça marche. En plus, il y a les flics, moi j'ai de l'argent seul sur moi. J'ai de l'argent seul, alors ça va pas arranger mon truc là. Mais. Mais wesh, regarde le coffre, est sérieux ou quoi? Eh merde, c'est pas ça que je voulais faire. Je pense en vrai les amis, en vrai je vais cut. Parce que là c'est juste du farm donc c'est juste du farm en soi donc pas trop intéressant à montrer. Oh, ça recommence à me péter les couilles. Bon, en vrai, je cut là, les amis. Parce que là, juste le farm, c'est pas trop intéressant à montrer. Pas trop été intéressant à montrer.
Et qui est en live actuellement? Allez, hop, je vais raid là-bas. Hop. Tac. Ah bah, accepte pas les raids. Bon bah tant pis. Tant pis, tant pis. Et bah je vois de le... chez un joueur de nos Sunshine. Tac.